Et l'autre pays du vélo, c'est le pays d'Ambert qui accueille chaque année en juillet la randonnée des copains, 150 km, un peu plus, sur les routes du Livradois-Forez. Une épreuve créée, voici 22 ans, à l'initiative de copains, justement. C'est le quatrième épisode de notre série sur les initiatives auvergnates qui ont réussi à traverser le temps. Philippe Marmy, Claude Fallas. Ici, il y a des passionnés, il y a un nid de personnes qui sont vraiment très attachées à la fois au territoire et à toutes les pratiques de pleine nature qu'on pourrait avoir ici. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles vraiment ça dure. Et j'ai l'impression que ça va durer encore pas mal. Ah, ça a commencé bien sûr par une bande de copains sur un rallye automobile. Discussion sur un talus pour faire une épreuve. C'était le début des premières cyclosportives dans les années 85-86. Il s'agit de la plus grande concentration de vélos dans le pays d'Ambert. Chaque année depuis 22 ans, 2400 cyclistes arpentent les monts du Livradois et du Forez. Périple de 158 km pour les plus aguerris, ascension jusqu'à 1366 mètres d'altitude, 26 communes traversées. Une histoire de copains qui mobilise début juillet 600 bénévoles, épreuve à la fois sportive et conviviale. Vous attendez quelqu'un là ? Oui, on attend notre mon père, moi. Donc voilà. Et notre mari. Après le mari. Quel dossard ? 878, 877. Et il est encore pas passé ? Et non, toujours pas. Donc. C'est inquiétant, hein. On s'inquiète un petit peu, c'est vrai. On en a un petit escroute là, mais bon, on va attendre. Ça va pas les données. Bah, merci. J'aime bien la variété des parcours et puis surtout le fait qu'ils échangent le parcours. Faire la même course chaque année, c'est pas très intéressant. Mais le parcours est joli, je suis du pays de toute façon. Le casse-croûte, c'est obligatoire là dans la rando ? Ah, c'est indispensable. Hein. Si on mange pas, la fringale arrive et c'est en écuille. Donc, enfin, pour moi, il faut absolument manger. Hein. Vous préférez quoi ? L'aspect course ou l'aspect casse-croûte ? Les deux. Hein. Mais bon, moi j'aime bien la course, donc je me donne à fond, mais on profite aussi du paysage, c'est magnifique. Le paysage préféré des adeptes du VTT, c'est plutôt les hautes chaumes du mont du Forez, vaste espace naturel. 350 km de pistes balisées par le club VTT d'Ambert. Circuit pour sportifs ou randonneurs du dimanche, tout est possible. On propose des accompagnements donc, par une personne diplômée, un brevet d'état, des accompagnements en journée, demi-journée, adultes, enfants, tout. C'est physique ? Ça peut l'être, à la demande. Ça peut l'être. Et tout le monde peut faire les circuits ou pas ? Ah ouais, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. On essaye au maximum de répondre à la demande des gens. Donc si c'est une balade loisir, ça sera loisir familial. Si la personne veut se ruiner les cannes et en faire du sportif, on fera du sportif. Il n'y a pas de souci. Nous avons également investi dans des GPS. GPS qui permet aux vététistes de se promener sans peur de s'égarer, puisqu'ils n'ont qu'à suivre l'itinéraire qui apparaît sur leur petit GPS. C'est la panne complète. Qu'est-ce qui vous arrive ? Oui, les pignons se dévissent. Ou c'est pas bon ça pour finir la course ? Non, c'est très mauvais même. C'est bon, mais... Le mécano, c'est vous ? Oui. C'est quoi les pannes sur la rando ? Oh, en général, bon, c'est justement des réglages de dérailleurs ou des câbles de frein ou de dérailleurs qui ont quelques problèmes, c'est tout. Pas grave alors ? Ouais, à part des crevaisons, mais ça, bon, les crevaisons, c'est... Ah, il y en a encore ? Et oui, il y en a encore, ça existe. Le train touristique, voilà, qui peut rendre service en cas de panne. Depuis la Chaise-Dieu, il peut ramener le cycliste à bon port jusqu'en gare d'Ambert. Occasion unique d'alterner sport et découverte touristique, de quoi peut-être vous donner envie de revenir. Suite aux différents sondages que l'on fait, on sait qu'il y a plus d'un tiers des personnes qui viennent passer un séjour par la suite d'environ une semaine.